L'Australie et la Russie possèdent les plus vastes surfaces disponibles pour la reforestation. Toutes ces zones en vert sont disponibles pour planter des forêts. Mais si vous voulez vous impliquer, vous pouvez zoomer dans votre jardin et identifier quel type d'arbres pourraient pousser là et combien de CO2 ils pourraient stocker. Ces cartes servent à ça. C'est un outil pour guider la restauration des écosystèmes à toutes les échelles. Ces cartes permettent ainsi d'identifier les espèces indigènes. Car pour Thomas Crowther, ce sont elles qu'il faut replanter pour éviter de déséquilibrer les écosystèmes. Restaurer des écosystèmes avant de les comprendre peut représenter un danger. Certains disent que nous devrions attendre de mieux les connaître avant d'agir. Moi, je dis qu'étant donné la pression énorme que le changement climatique fait peser sur la biodiversité et sur l'humanité, il est absolument impératif que nous agissions dès maintenant. Ce qui est bien avec la reforestation, c'est qu'elle peut être faite par tout le monde. Pas besoin de décisions gouvernementales venues d'en haut. N'importe qui peut s'engager en plantant des arbres, ou en finançant la restauration d'écosystèmes, ou en soutenant des entreprises qui ne dégradent pas la nature. Toutes ces actions, grandes ou petites, ont un impact puissant sur le dérèglement du climat. L'impulsion est lancée. Partout sur la planète, d'innombrables projets soutenus et financés par des ONG de tous les pays ont déjà commencé à planter massivement pour restaurer les écosystèmes des territoires dégradés. Le laboratoire de Thomas Crowther collabore de son côté avec l'Organisation des Nations Unies. La campagne de l'ONU, initiée avant notre étude, avait pour but de planter 1 milliard d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Depuis qu'on a révélé qu'il y a déjà 3 000 milliards d'arbres sur la Terre, ils ont ajusté l'échelle de la campagne d'1 milliard à 1 000 milliards. Et ils ont déjà planté 14 milliards d'arbres partout sur la planète. Cela montre ce qui est possible si on s'engage au niveau planétaire. Ce qui m'a frappé dans ce documentaire, qui est par ailleurs très bien, c'est qu'il y a quand même un gros manque. Rien n'est dit sur le fait, moi c'est le thème sur lequel je travaille en ce moment, c'est le thème de mon dernier livre, La fabrique des pandémies, préserver la biodiversité pour préserver notre santé, c'est aussi le documentaire que je suis en train de tourner. Les forêts ont aussi, et les arbres, donc, en un service écosystémique dont on voit bien aujourd'hui bien l'impact quand il est menacé. Eh bien, ça régule les maladies. Et c'est tout ce que démontre, d'ailleurs, j'ai interviewé 62 scientifiques pour faire ce livre et ce film que je suis en train de tourner. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que dans les forêts tropicales, qui, évidemment, il ne faut pas détruire pour le climat, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très impressionnant de voir à quel point la question de la biodiversité n'est toujours pas présente, même quand on fait un film d'une heure et demie sur les arbres, très très peu présentes. Donc les forêts tropicales sont évidemment un endroit où il y a une grande biodiversité animale, végétale, donc aussi beaucoup de micro-organismes, tout ça est lié, et, mais qui agissent à bas bruit, hein, parce que voilà, ils sont là,
Mais tant qu'on ne perturbe pas cet environnement, ces agents pathogènes, des bactéries, des virus ou des parasites, ne menacent pas l'homme. Quand on déforeste, on rompt cet équilibre. Et c'est là que peuvent donc émerger de nouvelles maladies, parce que l'homme, en rentrant dans ses forêts, il rentre en contact avec ces agents pathogènes. Et ce qu'on découvre aussi dans le dernier livre que j'ai fait, donc, et le film que je prépare, c'est que quand on ne touche pas aux écosystèmes, notamment forestiers, il y a ce qu'on appelle l'effet dilution, c'est-à-dire que non seulement la biodiversité, bien sûr c'est bon pour le climat, etc., mais ça nous protège réellement de l'émergence de risques infectieux. Et je vous donne un exemple qui est assez parlant. J'étais récemment aux États-Unis où j'ai tourné pour ce film. Deux chercheurs américains qui ont travaillé sur la maladie de Lyme, ou Lyme on dit en français, enfin, qui, moi je dis Lyme, enfin, provoquée par une bactérie qui va donc infecter les tiques, et vous savez ensuite éventuellement infecter les humains hein, quand ils sont mordus par ces tiques. Vous savez que c'est un problème de plus en plus important, alors aux États-Unis évidemment, mais également chez nous. Qu'est-ce qu'ils ont démontré ? Ils ont démontré que dans les forêts américaines, quand elles ne sont pas trop perturbées, perturbées ça veut dire fragmentées, parce qu'on fait des routes, parce qu'on fait des champs, comme on voit dans l'État de New York. Il y a plein de forêts, mais en fait, elles sont très très fragmentées, c'est plein de petits lots. Dans une forêt non fragmentée, la bactérie qui va infecter potentiellement les tiques et ensuite les humains, son réservoir, c'est une souris qu'on appelle la souris à pattes blanches. C'est un rongeur très très spécifique. C'est-à-dire que tous les autres rongeurs qui ne sont pas la souris à pattes blanches ne sont pas un réservoir de la bactérie. Le réservoir, ça veut dire qu'elle porte en l'occurrence cette bactérie, mais ça veut dire virus. Hein. Cette bactérie sans tomber malade, elles sont des porteurs sains. Qu'est-ce qu'ils ont démontré ? C'est que quand vous fragmentez une forêt, eh bien, les premiers à disparaître, d'abord, ce sont les prédateurs, les renards, etc., qui contrôlaient la population des rongeurs en général, dont les souris à pattes blanches, vous me suivez ? D'accord ? Et donc, ces gros mammifères, enfin plus gros, qui n'ont plus assez d'espace pour vivre. Et puis, ils ont constaté aussi que quand vous fragmentez une forêt, il faut savoir que dans les forêts, les rongeurs, il y a deux grandes familles dans les rongeurs. Et la première famille, c'est ce qu'on appelle des rongeurs spécialistes, qui sont liés à des niches écologiques, donc qui mangent un certain type de graines, qui parfois montent sur certains arbres, etc. Donc, quand vous fragmentez la forêt, c'est les premiers à disparaître, parce que leurs ressources alimentaires disparaissent, et vont donc proliférer ce qu'on appelle les généralistes, comme les souris à pattes blanches, qui, elles, au contraire, survivent à la destruction des habitats, peuvent se réjouir quand on rase une forêt, comme j'ai filmé en Argentine il y a quelques années, et pour mettre du soja transgénique de ma compagnie préférée, qui est bien sûr Monsanto, elles sont ravies parce qu'elles vont bouffer le soja transgénique. Donc tout ça pour vous dire que les forêts, c'est impressionnant de voir qu'il n'y a pas du tout cet aspect-là dans ce film, hein, ça régule les maladies, c'est-à-dire que quand vous fragmenter, ben vous avez compris. Donc finalement, quand vous fragmentez votre forêt américaine, eh bien, vont donc proliférer les souris à pattes blanches, et donc les tiques infectées. Ils ont montré que plus les parcelles forestières étaient petites, plus il y a de souris à pattes blanches, et plus il y a de tiques infectées. Donc, vous voyez, voilà. Et cet effet dilution est démontré pour beaucoup de maladies, hein, vectorielles, mais aussi pour d'autres maladies, hantavirus et tout. C'est très bien démontré. Donc c'est pour vous dire, c'est que vous parlez de climat, oui. Et moi, je m'adresse à une militante du climat. Moi aussi, Et je voudrais vraiment qu'on arrive à joindre ces deux causes essentielles et extrêmement liées, provoquées par les mêmes excès de nos activités, n'est-ce pas, humaines. Parce que pour l'instant, la biodiversité, ça reste une question absolument non identifiée par beaucoup de monde. Alors bien sûr, quand on entend 60% des vertébrés ont disparu, on est triste, vous voyez. Mais moi, je dis souvent, la biodiversité, ce n'est pas un supplément d'âme pour Bobo écolo à vélo, hein, dont je fais partie. C'est bien plus que ça. Et pour l'instant, on est très très loin du compte. Et je me répète, faire un film d'une heure et demie sur les forêts sans aborder cette question, c'est assez étonnant. C'est très révélateur, finalement, de cette non-prise de conscience. Voilà. Alors, pour finir, c'est très clairement démontré par les scientifiques que j'ai interviewés que donc, la première cause de l'émergence des maladies infectieuses, c'est la déforestation. Première chose, dans les eaux tropicales où il y a de grands potentiels, parce qu'il y a beaucoup de, je vous l'ai dit, de biodiversité, mais aussi, et j'en finirai là, chez nous, la destruction de la biodiversité chez nous. Je suis bien contente que vous ayez parlé de ce qui se passe au Triangle de Gonesse, on peut parler aussi de ce qui se passe avec les jardins ouvriers de Berville, on peut parler de ce qui se passe sur le domaine de Saclay, on peut parler de ce qui se passe à Grignon, et on peut parler de ce qui se passe partout en France en ce moment. Donc qu'est-ce qu'on constate aussi, c'est que quand nous avons, nous, dans les pays riches, détruit beaucoup notre biodiversité, le résultat c'est que
nos enfants qui ont grandi dans des environnements très peu biodivers, alors dans des grandes villes bétonnées, qui n'ont pas accès à des jardins, qui n'ont pas d'animaux domestiques, qui n'ont pas de vacances dans les campagnes, qui ne traînent pas à quatre pattes pour mettre des petits microbes dans leur bouche, en plus qu'on lave tous les jours et qu'on récure tous les jours, etc. etc. Résultat, c'est très précis, les études sont très précises, ça joue entre 0 et 2 ans. 0 et 2 ans, bon, je ne rentre pas dans les détails parce que tout ça est dans mon livre, ce que vous allez lire bien évidemment. Eh bien, votre microbiote, votre flore intestinale est très appauvrie, n'est-ce pas? Et donc, votre système immunitaire plus faible, et donc, vous êtes plus sujet à des excès inflammatoires, et donc, vous avez des facteurs de comorbidité de... Vous voyez où je veux en venir? La COVID. Et en fait, tout ça est extrêmement bien démontré. D'ailleurs, un dernier détail, ces chercheurs ont montré que non seulement donc, l'absence de biodiversité, quand on grandit, alors 0 et 2 ans, ça veut dire que ça commence dans le ventre de la maman, hein. il faut que nos enfants vraiment soient confrontés à tous ces microbes, on appelle ça les old friends, les vieux amis de l'homme, dont font partie les arbres, les fleurs, etc., et puis les microbes. Et en plus, aux vers intestinaux, alors ça c'est un truc qu'il faut considérer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas déparasiter les petits-enfants, quoi, les oxures, surtout pas laisser les tranquilles, parce que c'est ça qui va stimuler leur système immunitaire. Alors on ne parle pas évidemment des gros vers, etc. Donc tout ça pour vous dire que la biodiversité, donc, quand on la détruit dans les forêts tropicales, et ça permet de faire sortir du bois des agents pathogènes, et c'est pas bon pour le climat, etc. etc. Et quand chez nous, on l'a détruite, on est plus vulnérable à ces agents infectieux. Alors, en conclusion, eh bien, évidemment qu'il faut protéger les forêts. C'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, et c'est bon pour la biodiversité. Voilà. C'était dû aux arbres qui ont relâché du carbone à cause du stress hydrique. Et on estime qu'une une étude publiée dans Nature, alors ça date de 2012-2013, disait déjà à l'époque que 70% des forêts étaient en état de stress hydrique. Donc, bien sûr. Et du coup, la forêt française est malade. Il y a le scolyte, donc des petits insectes qui attaquent les arbres fragilisés dans les forêts en montagne en particulier. Et donc, il y a un travail beaucoup plus important à faire pour essayer de replanter différemment, pour travailler différemment. Et bien, les pouvoirs publics ont décidé l'été dernier que l'ONF allait supprimer 500 emplois. Voilà, pas de commentaire là-dessus aussi. C'est assez catastrophique. Voilà. Le problème des forêts françaises, c'est aussi que il y a très peu de diversité dans les forêts françaises. Et ça, c'est un vrai problème. Ce qu'a d'ailleurs très bien démontré un livre que je vous conseille de Laurent Tillon sur les chênes. Vraiment un livre extraordinaire sur le chêne. Hein. Alors ce qu'on voit ici, mais adapté au chêne. Donc un chêne qui connaît à Fontainebleau depuis, depuis qu'il a donc, c'est quelqu'un qui travaille à l'ONF hein, et qui a fait un super bouquin là-dessus. Mais en tout cas, le problème de nos forêts, c'est ça. C'est que, et ça, c'est aussi très bien démontré. Hein, quand vous avez une forêt très diverse en termes d'essence, eh bien, d'abord, les maladies, c'est l'effet de diffusion, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça marche aussi pour ça, évidemment. Et elle résiste mieux aussi, globalement, à toutes sortes de stress. Alors, cela dit, le stress hydrique, ça, c'est la question, c'est bien démontré là en revanche. On ne sait pas jusqu'à quel point elles vont résister parce que c'est trop rapide et c'est trop brutal. Hein. Mais la diversité est aussi un problème dans nos forêts. On n'a pas assez. C'est parce que vous plantez du Douglas partout. C'est ça le problème aussi, le problème de reforestation, attention. Moi, par exemple, pour le film que je suis en train de faire, je voyage pas mal parce que je retrouve tous mes scientifiques que j'avais dans le livre. Et du coup, je problème, qu'est-ce qu'on fait, compensation, parce que, voilà, bon, voilà, comment je fais pour aller voir ces scientifiques qui vous montrent comment, par exemple, en Guyane française, la destruction, la déforestation faite pour notamment faire de l'orpaillage, fait qu'on va provoquer des maladies, etc. Et on vous propose des programmes de reforestation, sauf que si c'est un programme de reforestation, de monoculture de glace, évidemment que ça ne, c'est pas bon. D'ailleurs, dans les chiffres donnés par la FAO, ils confondent, quand ils parlent de reforestation, il y a tout là-dedans. Il y a y compris quand on fait une monoculture de palmiers à huile. C'est considéré comme... Voilà. Attention, parce que reforester, oui, mais pas reforester n'importe comment non plus. Enfin, voilà. Oui. Il y a d'ailleurs un passage ambigu dans le film, je ne sais pas si vous avez remarqué, où une scientifique anglaise ou américaine, d'un seul coup, part dans un peu un délire en disant on peut tout faire avec le bois, on peut remplacer le plastique, on peut remplacer le métal, on peut construire les maisons, on peut tout faire, mais le bois ne va pas pouvoir non plus capter le CO2 et remplacer le bâtiment, les murs, les maisons, les jouets en plastique et tout ce qu'on consomme, ça ne va pas être possible. Vous savez, le chauffage. Et le chauffage aussi, oui. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, il y a eu un départ, c'était merveilleux, mais en même temps, c'est peut-être un peu trop simple.
précis sur ce que j'ai dit là, au niveau de la suppression des postes à l'ONF en montagne. On est concerné par ça parce que la forêt est très importante. Mon grand-père était bûcheron toute sa vie, donc il était dans la version de connaître par cœur les forêts, de passer des journées entières dedans et de réussir quelle essence, quel arbre est malade. Il nous a beaucoup appris ça. Mais surtout sur la compensation, parce que c'est un vrai sujet, notamment même là à la COP, qu'on discute en ce moment. En fait, ça a été, quand je rencontre ce qu'on appelle les décideurs, il y a deux biais, une question de, enfin, parmi d'autres, mais en tout cas d'humilité, dans la croyance absolue que l'homme serait capable de tout sauver et d'avoir les solutions et que la technologie sauvera le monde. Et parmi ces technologies, il y a en effet capter le carbone dans les sols. Et donc c'est quand même assez drôle quand on sait que ça existe depuis des milliers d'années et que des millions, que ça s'appelle les arbres, qu'on est en train de les déforester massivement. Donc bon, parfait, il y a besoin vraiment de retrouver un peu d'humilité. Ça, c'est à mon avis un gros sujet auprès de ces décideurs. Mais la deuxième, c'est que en effet, dans la compensation, il y a typiquement Air France se doter de faire des vols neutres en carbone. Enfin, c'était hallucinant d'imaginer qu'ils ne prennent pas du tout en question le temps. C'est-à-dire qu'un arbre, pour planter, non seulement il faut qu'il ait plusieurs années pour grandir et pour commencer à vraiment capter du CO2. Sauf si tu prends des arbres d'eucalyptus qui poussent très vite, c'est partout en ce moment. Et en même temps, ça défonce les écosystèmes locaux, et parfois c'est fait n'importe comment. Et puis il peut très bien, en attendant, brûler, vu les incendies qu'il y a tout le temps, on n'a pas du tout la garantie que ça va se passer. Donc c'est pas du tout. Enfin, c'est nécessaire de le faire, mais de le faire bien. Et c'est pas du tout une solution magique qui permet de continuer par ailleurs en fait à consommer, à émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc il y a un vrai sujet autour de cette compensation carbone, cette neutralité carbone et de la reforestation. C'est vrai qu'il faut vraiment creuser le sujet avant de s'engouffrer. Alors c'est séduisant, hein. Je suis d'accord que c'est séduisant parce que ce serait génial de pouvoir se dire on continue et puis juste on plante des arbres et ça marche, mais c'est plus complexe que ça et donc il faut vraiment prendre le temps de la réflexion sur ce sujet. Bien sûr. Et du coup, moi, je m'oriente vers une compensation, parce que je suis comme le faire, avec la fondation Good Planet, c'est Yann Arthus Bertrand, mais enfin, il propose quand même, et je connais très bien ce programme, j'ai fait un film qui s'appelait Sacrée Croissance en 2014, où j'avais montré toutes les alternatives à la croissance, et donc pour résoudre, en tout cas la question du climat, etc. Et au Népal, ils ont lancé un programme extrêmement intéressant pour 80% du pays n'a pas d'électricité. Donc l'idée, c'est qu'ils passent du non-électricité directement aux énergies renouvelables sans passer par la case énergie fossile. Et comme tu as l'Himalaya, tu as différents écosystèmes. Donc dans certains cas, ça peut être l'hydroélectricité, parce qu'il y a plein de... Enfin, tant que les glaciers n'ont pas fondu, il y a toujours des rivières qui peuvent faire des petites... C'est des micro-centrales d'hydroélectricité. Parfois, c'est des panneaux solaires parce que... Et puis, ils ont lancé, ça marche très bien, et l'Inde vient de... Ils ont exporté leur modèle vers l'Inde, des petits méthaniseurs familiaux, donc je ne parle pas là des... Méthaniseurs agricoles qui posent problème chez nous. Qui posent problème parce que... Voilà. Non, tu sais, des petits, où tu mets tes déchets alimentaires, tu relis ça à la fosse septique, tu la crées d'ailleurs du coup parce qu'il n'y en avait pas, et puis toutes les bouses de vache, etc. Et ça marche super bien. Et du coup, ça permet d'arrêter, parce qu'avant, c'était du bois qu'on coupait, sans parler du fait que c'était les femmes qui allaient faire ça, qui marchaient pendant... Donc c'est vraiment très vertueux. Voilà. Et par rapport à ce que tu disais sur les arbres, je vous raconte une anecdote. Pour mon livre, j'ai interviewé celui qui dirige la chaire d'écologie évolutive de l'Université Columbia aux États-Unis, et qui me raconte que quand cette chaire a été créée, c'est très récent, c'est au début des années 2000, c'est pour vous dire que c'est pas vieux, quoi. Et un jour, il me raconte qu'il a un cocktail avec tous ses collègues, alors Columbia University, vous voyez ce que c'est comme une grande université américaine, et c'était un cocktail, il y avait des ingénieurs, tout ça, tu vois, puis il y en avait qui était très excité, qui était en train de raconter qu'il était en train de construire un prototype de tour, énorme tour, très excité, il y a plein de tuyaux dedans, il y a des produits chimiques pour qu'on pourrait faire partout pour capter du carbone, dans les villes. Et lui, il les regarde, il dit, it's a tree, c'est un arbre. Et là, ils sont très choqués, ils disent, comment vous pouvez comparer notre tour extraordinaire à des arbres? Et lui, il dit, si, c'est ce que font les arbres. Et donc, c'est anecdotique, mais en même temps, c'est intéressant, parce que par rapport au climat, la grande tentation, c'est quand même toujours être dans
les techniques scientistes. On y reviendra parce que c'est, moi je pense que c'est pas anecdotique. Non, c'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique. L'anecdote, oui. Mais elle est symbolique de quelque chose de beaucoup plus général. Et j'ai voulu en parler parce que c'est. Il a raison. Ça, c'est clair. Il a complètement raison. Et moi, quand je travaillais, j'ai fait un autre film, un livre qui s'appelle Les Poissons du futur. Il y avait une partie sur l'agroforesterie, donc comment réallier. Tu as dû voir ça aussi dans les. C'était beaucoup pratiqué, ça reste encore un peu pratiqué dans les montagnes françaises, mais comment tu allies. Tu sors de la spécialisation en filière, hein, les cochons en Bretagne, et puis le blé dans la Beauce, et puis on balade tout ça dans des conditions absolument atroces, on détruit les sols, les cochons, n'en parlons pas, etc. Et donc, agroforesterie, culture, agriculture, mais voilà, un peu diversifiée avec de l'élevage et des arbres. Et en fait, on a identifié l'Europe. De mémoire, hein, qu'il y a 800 000, je dis pas de bêtises, que je sais plus, beaucoup d'hectares, je sais plus combien, c'est énorme, qu'on pourrait très rapidement transformer en agroforesterie. Donc là, c'est les meilleurs arbres, enfin, à part les forêts, hein, mais les meilleurs arbres en termes de. Ils captent beaucoup plus que les arbres en forêt et puis ils sont plus résilients alors, quand ils sont associés à la culture, parce que il y a plein d'études qui le montrent, hein, quand un arbre est dans le système d'agroforesterie, il y a un arbre là, un arbre là, un arbre là, et donc ils sont beaucoup plus emprisonnants. En permanence, et du coup, ils résistent beaucoup plus aux tempêtes qui vont faire un effet domino, comme on a vu, par exemple, dans les forêts, les monocultures de pins, dans le bassin d'Arcachon, tu vois, par exemple. Voilà. En tout cas, l'agroforesterie, eh bien, évidemment, c'est aussi une solution, c'est-à-dire pour capter du carbone, parce que le problème de l'agriculture d'aujourd'hui, ça fait des années que je dis, c'est qu'elle devrait capter du carbone, alors qu'elle en émet. Tout le modèle agro-industriel émet du carbone. En permanence, d'abord parce qu'on a rasé les arbres, on a fait de la monoculture, les sols sont nus, donc toujours, et non seulement du carbone, mais aussi du méthane, enfin, du protoxyde d'azote, etc. Tous les produits chimiques qui sont faits à base de pétrole, les engrais, les pesticides, le fait que tu palades les aliments sur toute la planète dans ce modèle-là, le plastique, tout, enfin, c'est absolument délirant. Et je finirai par un chiffre fourni par l'Union européenne qui dit qu'un yaourt à la fraise, acheté dans un supermarché ici à Saint-Denis, par exemple, eh bien, si vous vous tenez compte de tout, c'est l'équivalent de 8000 km en voiture. Voilà. Donc, bien sûr qu'on n'achète pas de yaourt à la fraise dans les supermarchés. On fait autrement. Voilà. Donc, des leviers, il y en a. Enfin, c'est ça que je veux dire. Alors, il y a beaucoup de leviers. Moi, mon inquiétude maintenant, je ne l'aurais pas dit il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on disait on n'a plus de 10 ans. Déjà, je m'en souviens. Hein. On continue de dire on n'a plus que 10 ans, il va falloir qu'on arrête de dire ça parce qu'on a de moins en moins de temps et c'est vraiment extrêmement urgent. Je l'ai constaté moi-même dans ma longue carrière maintenant, c'est-à-dire que je l'ai vu à l'œuvre, j'ai vu tout ça à l'œuvre. Moi j'ai commencé ce métier en 1984, j'ai vu tout ça à l'œuvre, j'ai vu les écosystèmes détruits, les problèmes d'alimentation partout, le climat se dégrader, la pauvreté, parce que tout ça, n'oublions pas, il y a aussi ça, hein, une autre pièce, une autre phase de la monnaie. La pauvreté, les inégalités, et voilà. Et là, on est au pied du mur, il va falloir qu'on agisse très très vite, quoi. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps d'attendre. Et tout le temps, c'est-à-dire que derrière, il y a le nucléaire qui arrive, on a compris, ici, le nucléaire... Le central, c'est le modèle économique qui est fondé sur la croissance économique du produit intérieur brut, le toujours plus de production et toujours plus de consommation. Moi, j'ai fait un livre et un film là-dessus, et c'est un récent, je le répète, 2014, qui ont inspiré beaucoup de films, Demain, etc., et qui montrent que, non seulement c'est pas la solution, la croissance, c'est même le problème. Parce qu'on ne peut pas continuer à promouvoir un système économique fondé sur le toujours plus, alors que les ressources de la planète sont limitées, et que sa capacité à intégrer et à digérer les déchets que nous produisons a bien sûr atteint un point de saturation qui est absolument évident. Ce que démontrent aussi les chiffres, quand on se penche vraiment sur cette question, et moi ça me rend, je vais vous dire franchement, folle maintenant. Vraiment, parfois je casserai mon poste de radio, je vous dis carrément, quand j'entends quelqu'un comme Bruno Le Maire, bon, que j'ai connu comme ministre de l'Agriculture, et je me rappelle, il ne savait pas combien de mètres carrés faisait un hectare, donc je ne sais pas s'il aussi bien compté pour être ministre de la Finance, mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'il sache compter ce qui compte, ça c'est le problème qu'ils ont tous. Donc ils ne savent pas compter, enfin oui, bon bref. Toujours été de l'entendre, la croissance est repartie, je dis, mon Dieu, mais quel désastre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je ne vais pas vous faire, parce que je peux parler des heures sur la croissance, c'est vraiment, il faut sortir de cette obsession, absolument en sortir, c'est la source de tous nos maux, avec tout ce que ça veut dire, parce que, en résumé, la croissance, non seulement ce n'est pas la solution au chômage et à la pauvreté, on n'a jamais eu autant de pauvres, je serai très court parce que tous les chiffres sont là, et on n'a jamais eu autant de chômage. Donc arrêtons de dire ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça remplit les poches de ceux que j'appelle dans mon livre « Le cercle de croissance »,
sur ceux qui sont drogués à la croissance, hein, et les parents de la croissance. Hein, donc les parents de la croissance, c'est sur la planète 30 milliardaires qui possèdent autant que la moitié de l'humanité. C'est 1% des plus riches qui possèdent le patrimoine équivalent à 3,5 milliards, etc., etc. Donc c'est eux qui s'en foutent plein les poches. Cette croissance-là, elle ne sert qu'à nourrir la bête. Hein. Et pendant ce temps, eh bien, les inégalités croissent, les écosystèmes se détruisent, le climat se dérègle, etc., etc. Donc voilà. Mais dans un modèle fondé sur la croissance, l'industrie pharmaceutique que je connais bien, elle n'a aucun intérêt à retirer du marché et à laisser retirer du marché, par exemple, les perturbateurs endocriniens, que je connais bien, un autre film est libre, notre poison quotidien, excusez-moi, parce que c'est des sujets que je... des années, quoi. Et j'en ai marre de répéter toujours la même chose. Des années. Qui font qu'on a de plus en plus de cancers chez les jeunes, qui font qu'on a de plus en plus de maladies auto-immunes. Enfin, vous savez tout ça. Parce que les cancers, par exemple, un chercheur américain que j'ai interviewé, un épiologiste américain, me disait que le cancer, c'est un crabe aux pinces d'or. Donc ça bénéficie, ça fait tourner le business. Et il me disait très justement, dans un modèle de croissance, eh bien, l'industrie pharmaceutique, elle a besoin de plus en plus de malades. Parce que si votre but, c'est de faire des profits, donc de plus en plus de malades, de plus en plus de produits chimiques qui nous rendent malades. D'ailleurs, Bayer a fait un gros coup en achetant Monsanto, parce que finalement, vous avez des produits qui rendent des gens malades, oui. Et puis vous avez aussi des produits qui sont censés les soigner. Mais tout ça, c'est complètement évident. Donc, évidemment, mais ça marche pour tout, dans tous les domaines. Donc, Engie, ils ne vont pas vous dire... qu'il faut bien isoler sa maison. Soit dit en passant, moi j'habite à Saint-Denis, enfin à Pierrefitte, j'ai fait isoler ma maison, j'ai les moyens de le faire parce que si on n'est pas vraiment aidé, c'est pas facile, hein. J'ai vraiment fait bien isoler ma maison. Hein. Bon. Bref, donc il faut une vraie volonté politique de faire cette transition, il faut soutenir l'isolation des maisons quand c'est bien fait, ça coûte cher. D'accord. Et les aides sont quand même encore... Voilà. Le problème, c'est qu'il faut aider aussi les précaires à isoler leur maison. Parce que oui, bien sûr. Les gens comme vous et nous, on est capable de monter les dossiers, on est capable de savoir ce qu'ils vont faire. Si on ne va pas chercher les précaires et les aider, c'est eux qui auront les passoires thermiques, c'est eux à qui ça coûtera les plus chers et qui seront les plus grands pollueurs. Et peut-être qu'en plus, on les montrera du doigt. Donc, en tout cas, évidemment que... C'est ça la question. Moi, ma question principale aujourd'hui, c'est comment... nous allons arriver à convaincre ces fameux 1% là que ben, on est sur un Titanic. Voilà, un Titanic, vous savez comment ça se termine. Alors j'imagine que dans leur petite tête qui sont obsédés par leurs profits, qui sont vous savez, qui sont dans leur bulle financière, ils sont hors sol, vous savez, ils sont hors sol, ils s'imaginent que bien sûr le Titanic peut-être mira des petits bateaux pour s'échapper. Sauf que vous voyez, dans mon livre, le dernier, il y a une étude très intéressante faite par un Américain, un génie des mathématiques et qui a fait ce qu'avaient fait les auteurs du Club de Rome avec Halte à la croissance en 1973, vous vous rappelez. Il a fait mouliner des super logiciels, maintenant les ordinateurs, tu vois, ils sont très puissants, et il a essayé de comprendre pourquoi les civilisations antérieures à la nôtre se sont effondrées. Et les Mayas, les Assyriens, y compris les Romains d'ailleurs, et il a fait mouliner un tas de facteurs, quoi, de variables, et voilà, mais aujourd'hui bien plus performant qu'en 1972. Hein. Et il a fait rentrer des variables qui n'étaient pas présentes dans les modèles développés par le Club de Rome en 1972. Notamment les inégalités, hein, qu'il a fait rentrer dedans. Et parce qu'en fait, il est parti sur un modèle ressources proie. Bon, voilà. Et. Ceux qui exploitent les ressources, eh bien, ce sont les humains, et là-dedans, il a déterminé deux catégories, ceux qu'il appelle les élites, donc on va dire les 1%, hein, et les autres, les commoners, ce seraient donc les roturiers, c'est-à-dire tous ceux qui produisent la richesse, qui n'en profitent pas beaucoup, n'est-ce pas, pour que les autres se baffrent avec les ressources produites. Et il a fait mouliner tout ça, et résultat, il a dit, avec plein de données des différentes époques, de toutes ces civilisations qui sont effondrées, il a dit les deux facteurs principaux qui ont fait que ces civilisations se sont effondrées, c'est premièrement l'exploitation des richesses qui était donc évidemment trop importante par rapport aux ressources, quoi, hein. Et deuxièmement, une mauvaise distribution des richesses, donc, et les inégalités. Et c'est très intéressant parce qu'on oublie trop souvent ça aussi. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble. Les inégalités sont le moteur de la croissance. Voilà, les économistes ont démontré ça. Alors, oui, mais surtout, c'est aussi une bombe écologique, les inégalités, parce qu'à un moment... En même temps. Mais oui, bien sûr. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir si on ne remet pas fondamentalement en cause ce système capitaliste qu'on appelle un chat, parce qu'il faut arrêter de tourner autour du pot. Hein, bien sûr.
et qui fondait sur l'enrichissement permanent d'une petite minorité qui vit totalement hors sol. Donc tout ça pour vous dire, et j'en finis là, comment on fait pour crever la bulle, tu comprends ce que je veux dire ? Je vais continuer en posant une question à Camille Etienne, la logique. Oui, ma question c'était justement, est-ce qu'on peut peut-être qu'on ne peut pas reprocher à la directrice générale adjointe d'Engie de travailler pour ses actionnaires, après tout c'est son job, mais que les politiques demandent à la directrice générale d'Engie de proposer des solutions pour notre avenir, c'est là où il y a un problème, ils ne font pas leur boulot. Et vous allez en justice contre l'État, et c'est là peut-être notre rôle de dire attention, ça c'est pas Engie qui prend ces décisions-là, c'est aux politiques, ils ne font pas leur boulot. Et donc est-ce que nous, les citoyens, on doit pas être amenés à porter plainte? C'est ce qu'on voyait tout au début, donc dans l'extrait de la Constitution que j'ai lu. Est-ce que c'est, et comme vous, Camille Tenne, qui avait porté plainte... Déjà, il faut bien se mobiliser pour les bons élus, excusez-moi. Les élus qu'on mérite aussi, ouais, bien sûr. Mais du coup, après, lorsqu'ils sont là, il faut les obliger à faire leur boulot. Après, ils sont là pour travailler, voilà. Donc, parlez-nous de l'expérience de porter plainte contre les politiques. Oui et non, enfin, dans le sens de... Est-ce que c'est la faute ou pas des politiques ou de celle de la directrice d'Engie, c'est aussi la faute de la directrice d'Engie, c'est son boulot, personne n'a force à être là. Je pense que si elle est à cette position-là, elle a largement les ressources financières pour pouvoir en changer si elle se rend compte qu'elle est en train d'alimenter un désastre absolu. Donc je pense que chaque personne, d'autant plus privilégiée que ces gens-là sont, ont une responsabilité immense de faire face maintenant à leur responsabilité. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, comme quand ils nous reçoivent, c'est vraiment du « Ah, oh, bravo, ce que vous faites, votre génération va nous pousser, hein, là là, nous on est un peu, mais bon, vous allez... » On n'a pas du tout le temps d'attendre qu'une soi-disant génération consciente arrive au pouvoir. C'est maintenant que ça se joue littéralement, on ne peut pas attendre qu'on remplace toutes ces personnes-là. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a des criminels... Non, mais c'est vrai, il y a des personnes qui sont responsables. Et quand on parlait, il y a aussi une question de pour compléter juste un petit peu, il y a une question de justice sociale derrière. C'est-à-dire que c'est quand même, le dernier rapport d'Oxfam, 10% des plus riches qui émettent autant de CO2 que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et pourtant, c'est là le fondement, c'est qu'en fait, c'est même pas eux qui payent les conséquences des règlements climatiques. C'est au contraire les plus précaires qui, aujourd'hui, c'est même pas une question de génération future en fait. C'est aujourd'hui, il y a des personnes qui sont déplacées climatiques, qui veulent la montée des eaux, qui, même près de chez nous, qui tapent des inondations en Belgique. J'y étais à côté de Liège, c'était incroyable. Et c'est encore une fois, même proche de chez nous, les plus précaires qui vivaient près du fleuve, parce que c'était là où il y avait les logements les moins chers, parce qu'il y avait une usine. Et c'est eux qui ont été inondés en premier. Donc en fait, c'est vraiment une question de justice sociale qui peut pas, pour moi, être décorrélée du tout de ce combat écologique. Et pour répondre du coup à la question, quelle stratégie, ça c'est une question de tous les jours, et je pense qu'il faut être capable d'être complémentaire au maximum, de se rendre compte qu'il y a des forces contraires aussi. Bizarrement, ce qui est triste, c'est que ça ne nous avait même pas étonnés. Quand il y a quelques semaines, il y avait une enquête qui est sortie sur Total, on disait, ils sont au courant depuis les années 70, en 72, et ils ont payé des gens, des lobbyistes, pour semer le doute dans la population. Donc on en est à ce point-là, quoi. Et ça n'étonnait même plus les gens. C'est là où je me dis, mais c'est là où c'est grave. C'est-à-dire qu'on le sait, en fait. Moi, c'est cet écart entre l'impression qu'on est conscient et que ça y est, et le très faible niveau d'impact, très faible niveau d'action concrète qui existe, c'est cet énorme fossé, le pourquoi est-ce qu'on sème, on n'agit pas, et ça c'est vraiment une question très importante. Donc voilà, je m'arrêterai là pour que je vous pose cette question. Oui, mais on ne sait pas, on n'agit pas, mais certains agissent, certains nous disent, écoutez, laissez-nous faire, on est qualifiés pour le faire, et donc on vous promet qu'en collaborant avec Engie, on aura une énergie décarbonée à base de nucléaire, évidemment, à volonté dans X années. Pour le reste, on aura l'hydrogène qui va débarquer aussi. Et ainsi de suite, hein, pour l'agriculture 2.0, l'agriculture avec des drones pilotés par satellite, laissez faire la technique, tout va bien. Voyez, donc c'est pour ça que je parlais, il y a un abandon du politique pour la technique, parce que la technique fait rentrer de l'argent, il y a tout ce côté-là, et donc du coup, on nous endort un petit peu à coup de laisser faire le progrès, et voilà, on est là-dedans aussi, hein, donc ça c'est le problème. Il y a une question d'intérêt et de privilège parce que, en effet, c'est pas eux qui vont vivre les conséquences directement du dérèglement climatique et ils ont des ressources pour trouver des subterfuges d'adaptation encore un peu quelques jours d'années de plus. Donc il y a ça, bien évidemment. Il y a aussi une grande partie d'ignorance, sincère, je pense.
qu'on n'est pas formé assez à ces sujets-là, qu'on a l'impression que oui, des règlements climatiques, mais ça m'est arrivé de mon petit niveau de connaissance de quelqu'un de 23 ans à apprendre des choses à des personnes qui étaient haut placées, qui étaient députées, ministres parfois. Et c'est là où c'est très grave. Et y a un vrai problème aussi de formation, de connaissance et d'intérêt pour le sujet. Ça, c'est une première question. Et bah, typiquement, là, en cours, on avait un... Ça, c'est hyper anecdotique, hein, mais on avait un monsieur qui gérait les capsules Nespresso pour les rendre, soi-disant, toute la transformation écologique des capsules Nespresso qui sont une catastrophe absolue, écologique, hein, les capsules jetables. Et en fait, je posais juste la question, mais juste quel est l'impact, quelle est l'empreinte carbone d'une capsule ? Donc c'est la personne qui est responsable de ça, qui travaille sur le sujet depuis plusieurs années. Il était incapable de me répondre. En fait, je lui dis, mais juste, vous n'avez même pas... Enfin, je veux dire, c'est quand même grave, quoi. Tous les jours, tous les matins, il se lève en travaillant sur la question écologique de ces capsules pour café. Il n'est même pas capable de savoir quelle est l'empreinte carbone. Donc il y a aussi une question de formation et il y a une question de... pour moi, de même un peu plus philosophique, de rapport à la nature, enfin de rapport à l'humilité, ce que je parlais tout à l'heure aussi. La croyance dans la technologie, c'est aussi la croyance que l'homme sera capable, et ils ont parlé dans le documentaire un petit peu, une biologiste dont j'ai oublié le nom, qui disait qu'il faut qu'on arrive à utiliser penser comme un arbre, je sais pas si c'est vraiment comme ça que je dirais, mais en tout cas à retrouver cette humilité au moins d'observation et d'apprentissage, que ce soit pas que ascendant et qu'on puisse vraiment penser comme un écosystème. Oui, je sais pas qui veut commencer. Et à la fois on est dedans et à la fois on y va. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est que pour moi il n'est jamais trop tard pour que ce soit pire. Et donc il y a à la fois il y a tout un tas de... Il y a assez de raisons de se révolter maintenant. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de me battre pour des générations futures, pour le monde que je vais laisser à mes enfants. C'est simplement déjà maintenant, je pense qu'aujourd'hui il y a assez de raisons de s'indigner. Et ça c'est super important. Et en même temps... Il y a tout un tas de ce qu'on appelle d'emballement climatique, des travaux sur les 9 limites planétaires, qui fait que, bien sûr, on est un peu une génération qui va, quand je dis génération, il faut comprendre les gens qui habitons la Terre en ce moment, pas simplement nous, jeunes de moins de 25 ans. Nous, là, ensemble tous, on est ceux qui vont, comme si on marchait au bord d'un précipice, et on est vraiment au moment où on va faire le pas du trou. Alors je sais que peut-être, comme vous disiez, on vous entendait ça depuis longtemps, dire on a plus que 10 ans. Mais là, on est vraiment à quelques... On est très 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 proche de ces phénomènes d'emballement qui peuvent être très très graves. Pour autant, j'ai jamais vraiment compris quand on disait juste il est trop tard, comme si du coup on allait avoir en 2050 un lutin qui allait sortir d'un chapeau en disant bah bravo, vous avez sauvé l'humanité, ou non désolé, tout le monde meurt. C'est en réalité plus complexe que ça. Et entre 1,5 degré et 2 degrés, il y a 1,6 degré, 1,7 degré et même encore plus petit. Et chaque demi-dixième de degré ou chaque demi-parcelle de nature qu'on va réussir à ne pas artificialiser, eh ben, c'est des vies qu'on va sauver. C'est des déplacés climatiques qui n'auront pas lieu d'être. C'est des espèces entières, des écosystèmes qui ne seront pas détruits. Donc pour moi, ça vaut dans tous les cas le coup de... C'était Sea Shepherd qui Paul Watson qui disait « serait prêt à donner sa vie pour une baleine ». Je pense que c'est cette allégorie-là aussi, de pouvoir se dire qu'à la fois on est déjà dans une forme de mur. C'est même pas une question de demain, c'est maintenant que ça se passe. Et en même temps, ça peut aller très très vite et ça peut être bien pire, donc ça vaut le coup de se mobiliser parce que ça peut aussi, localement, et notamment avec la question de biodiversité, nous redonner de la force. Pessimisme pour des jours meilleurs, voilà. Si vous la voulez sous une autre forme, quelle est la différence entre un pessimiste et un optimiste? Le pessimiste, il dit que ça va pas être pire, et l'optimiste, bien sûr, il dit si, ça peut. Donc je fais partie des optimistes. Voilà, donc voilà, mais en fait on n'a pas le choix en fait. Hein. Donc je disais tout à l'heure, 10 ans plus tôt, j'aurais pas dit ce que je dis aujourd'hui. Alors la question quand moi je circule beaucoup avec mes films et mes livres partout en permanence. Et maintenant j'ai quand même décidé de dire quand on pose la question que je n'aime pas qu'on pose au public. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Parce que, évidemment, moi, j'aime pas mentir, alors... voilà. Alors, je dis que les chances qu'on y arrive, elles sont quand même assez réduites. Vous la posez pas. Elles sont quand même assez réduites, parce que c'est très rapide, ces changements, hein. Donc ça, c'est vrai, alors ça, c'est bien dit dans le film, ça va très vite, c'est-à-dire que quand tu passes les tipping points, les fameux tipping points, les points de bascule, eh ben, ça s'emballe, hein, ça... Et là, on ne sait même pas, en fait, ce qui va se passer. Hein. Je parlais tout à l'heure
pour les maladies infectieuses, parce que c'est mon dernier, c'est mon dernier champ de travail. Si le permafrost lâche, ben on sait par exemple qu'il y a des virus qui sont pris là-dedans depuis la nuit des temps, et quand vous entendez les scientifiques vous parler de ça, vous verrez dans mon livre, ça fait un peu peur hein, quand même, hein, parce que ça s'ajoute à tout le reste, quoi. Enfin, voilà. Donc en tout cas, nous comme humains, on n'a pas, moi je suis mère de famille, j'ai 3 filles qui ont ton âge à peu près, tu vois, entre 25 et 30, et donc je me dis, j'ai pas d'autre choix. Alors les options, c'est quoi? On se tire une balle dans la tête. Et avant, on flingue tous ceux qui nous emmerdent. Donc là, c'est le sourire. C'est pas du tout mon trip, en fait, à moi. En fait, ce que j'ai vu aux États-Unis de plus en plus que quand je vais pour mes... au fait des bunkers, c'est pas mon trip non plus. Attention à la tentation de se replier sur soi. Et c'est une discussion que j'ai beaucoup avec les colibris, que j'aime bien par ailleurs. Mais attention à la tentation de se replier sur soi et de faire une croix sur le politique, c'est ce que je dis moi. Parce que la transformation individuelle, évidemment qu'elle est importante, et je dis souvent, surtout parce qu'elle fait du bien au moral, c'est surtout ça, ça nous permet de, vous voyez, de résister, parce que c'est quand même, il y a plein de raisons de déprimer quand même, hein, enfin, franchement. Donc voilà, mais ça ne suffira pas. Faut pas, c'est bien d'aller se retirer dans un éco-hameau et de faire un tas de choses, c'est super. Mais ça ne suffit pas, attention. Donc moi, je dis qu'il faut s'emparer de tous les leviers, et le levier politique est important, et c'est pour ça que moi, je suis marraine avec d'autres, il y a une centaine de parrains marraines de cette initiative qui s'appelle la Primaire Populaire, tu es aussi marraine, je vous invite à aller, si vous n'avez pas encore signé l'appel, ben, signez-le, ça mange pas de pain quand même, sur la Primaire Populaire, allez plus loin si ça vous intéresse, parce que si on doit changer tout, on doit tout changer, les logiciels. Moi, je dis souvent, nos logiciels qui datent du XXe siècle, donc de l'Holocène, sont absolument obsolètes. Il faut tout repenser. Et c'est ça qui est difficile. Parce qu'il faut repenser vite. Ça, c'est quand même pas simple, hein, parce qu'il faut tout revoir, les logiciels politiques, économiques, sociaux, etc. Et notamment les logiciels politiques. On est dans une impasse, on voit bien, on a une présidentielle qui s'annonce, on a... Enfin, moi, ceux qui m'intéressent, 5, 6, 7 candidats qui disent tous qu'ils sont écolos, bravo, et qui se tirent dans les pattes, et qui sont tous là avec leur petite écurie derrière, et ça, c'est la machine à perdre qui est repartie. Et il va falloir qu'on pense autrement, et qu'il va falloir apprendre à travailler sur des convergences fortes, qu'est-ce qu'on défend, voilà, et puis les petites divergences, même si elles sont importantes, hein, le nucléaire, l'Europe. Et bien, pour l'instant, enfin, en tout cas, ce n'est pas le prétexte suffisant pour aller à l'échec, parce que c'est ça qui se profile. Donc il faut repenser tout ça. Et moi, en revanche, je pense vraiment que vous, les jeunes, alors je ne veux pas faire de... Parce que le jeunisme, ça va, hein, on peut avoir des jeunes présidents qui sont vieux dans leur tête, on en voit, enfin bref. Donc c'est pas une question... Enfin, tu vois, il y a des jeunes qui sont, voilà, qui sont très vieux, hein, en fait. Oui, pour les jeunes qui sont très vieux, donc, je me souviens. Mais quand même, oui. Moi, je trouve que, tu vois, quand tu vois une pétition, 15 000, maintenant, je ne sais plus combien c'est monté, d'étudiants, de centrales, des mines, de Sciences Po, je ne sais plus combien, enfin, et qui disent, nous, on n'ira pas travailler dans la boîte à Angers pour dire, vous enfumez avec le fait qu'on va faire du gaz propre, enfin, tu vois, et bien moi, ça me fait quand même, tu vois, ça fait quand même plaisir, ben, tu vois. Voilà, alors, on va dans le mur, ça c'est sûr, mais, on n'a pas le choix que de dire qu'on va arriver à stopper ce mur, à stopper cette, voilà, et je donne toujours, et j'en finis là, dans l'histoire de l'humanité, parce que moi, depuis quelques temps, pour faire face à la déprime qui me gagnait beaucoup, beaucoup, j'ai lu beaucoup de livres d'histoire, finalement. Parce que l'histoire, c'est une manière aussi d'éclairer le présent et le futur. Et dans l'histoire de l'humanité, des idées minoritaires, qui à un moment sont devenues majoritaires, il y a plein d'exemples. Et c'est parce que les citoyens et les citoyennes ont bougé leur cul, excusez-moi, hein, vraiment, ont bougé leur cul. Et parfois, ça a été violent, hein, parce que je donne souvent l'exemple de... des États du Sud des États-Unis qui disaient qu'on pourrait pas faire de l'économie sans esclaves, par exemple. C'est pas si vieux que ça, quoi. C'était il y a un siècle, quoi. Enfin, il y a une guerre et tout. Eh ben non. Et il y a plein d'exemples. Donc, il faut se dire ça. Alors, le tipping point, il est en quand? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Il y a un livre qui s'appelle ça, comme ça, The Tipping Point en anglais, un sociologue qui a calculé que pour qu'une idée minoritaire devienne majoritaire, il faut 18 à 20% des citoyens qui soient convaincus que... Voilà, la validité de cette idée. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a que nous qui pouvons renverser la vapeur. Que nous. Et donc, gagner au final. Et juste peut-être pour finir là-dessus, parce que sur la question de qu'est-ce que moi je fais, comment est-ce qu'on.
C'est une question qu'on pose souvent. Évidemment, on peut sentir, ça peut paraître très grand, parce que c'est immense, c'est une société entière nouvelle qu'il s'agit de faire advenir. Et la peut-être bonne nouvelle, il y en a quand même une, c'est que du coup, chacun et chacune a une place fondamentale à jouer dedans. Et pour moi, c'est peut-être celle de voir le monde à travers ce paradigme d'une urgence sociale, écologique. Et donc de se dire que bah, si on est journaliste, qu'on organise des conférences, et que c'est vraiment la raison pour laquelle on se lève le matin, et que c'est ce qu'on aime faire par-dessus tout, et qu'on a envie de participer au monde de cette manière-là, le faire, mais à travers le prisme de cette urgence-là. Si c'est d'être boulanger, bah, de faire du pain avec des agriculteurs qui vivent à côté de chez nous, et de redonner du sens de cette manière-là. Si c'est de faire des films, si c'est de mettre les mains dans la terre, si c'est d'être scientifique et de travailler à la recherche, peu importe, en réalité on a besoin de tout le monde, et c'est du coup à la fois très grand, et en même temps ça donne beaucoup de pouvoir. Je pense qu'on a beaucoup beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on pense. Il n'est pas facile de le prendre, mais en même temps soit on le prend, soit on le laisse à des gens qui font ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, de notre avenir et de notre présent. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne recette. Voilà. La deuxième question, j'ai bien apprécié la démarche de Marie-Monique Robin sur l'aspect systémique du problème. Quand on interpelle une directrice adjointe d'LJ, supposez qu'elle soit d'accord avec vous, 5 minutes après, les virants mettra une autre. Le problème, ce n'est pas le problème de cette personne. Donc, comment est-ce que tu dis 5 minutes après, elle sera virée, oui. Et on remettra une autre. Oui, oui, c'est un problème systémique, ce n'est pas un problème individuel. Oui, bien sûr. Donc là, mais moi, il y en aura qui feront ce boulot. Exactement. Bah oui, bah oui. Donc là, il y a un mur, et le mur, il est systémique. On est dans le capital Océan, je ne suis pas sûr que le vote va résoudre grand-chose. Il va permettre, en tout cas, dans un court terme absolu, nous on passe beaucoup de temps en tant qu'activistes et plein de gens, de devoir juste, au niveau local, là, chez moi, il y a un projet complètement débile d'un endroit magnifique où il y avait plein d'agriculteurs qui travaillaient la terre et un ami qui était apiculteur qui m'a écrit pour me dire qu'ils vont en faire des immenses bureaux. Et c'est une décision politique, alors qu'il n'y a personne qui va travailler dedans, ils vont faire venir, enfin, cette espèce d'entrepôt géant. Et ça, c'est parce que c'est des politiques ils ont vraiment mis le profit avant tout. Et donc, du coup, si jamais on avait eu une personne qui s'en sentait plus concernée, qui avait un peu le problème dans le corps, on ne passerait pas notre temps, là, comme je suis en train de faire, à essayer de faire en sorte que quelque chose n'arrive pas, à détricoter des mauvaises idées, plutôt que de travailler à mettre en place ces meilleures idées, en fait. Yeah, c'est aussi ça. Donc, la moins pire permettra déjà de arrêter de perdre du temps. Si c'est même pas en gagner, ce sera arrêter de perdre du temps. Et après, je vous invite à regarder ce que fait la primaire populaire, parce que là, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est pour que ça vous intéressera sur ce sujet. C'est exactement leur créneau. Notre créneau. Notre créneau, c'est ce que j'allais dire. Notre créneau, là, tout quoi, Moi, je suis médecin et je m'aperçois que le corps médical, en fait, veut ignorer complètement la vraie origine de la Covid. Et la Covid, Marie-Monique Robin a décortiqué ça, mais il y a beaucoup d'autres biologistes, des gens qui travaillent en parasitologie, des gens qui travaillent dans les milieux naturels de la forêt, etc., qui disent que la Covid, c'est un avertissement. C'est un avertissement et on arrive à un point de non-savoir. On peut avoir une énorme pandémie qui sera 10 fois plus importante et puis qui va détruire 90% de la planète, de l'humanité, on ne sait pas. Mais ça, c'est extrêmement important. Et moi, ce que je constate deux choses. La première, c'est que les médecins, ils s'en foutent. Les médecins, ils ignorent ça. Moi, j'ai essayé d'alerter des revues, enfin, je suis médecin, en tant que généraliste, hein, d'alerter des revues médicales, même des bonnes, sur ce problème-là, et ils ne veulent pas en entendre parler. Il y a eu des articles, par exemple, qui sont sortis sur le stress dû au Covid, hein, dans les populations. Donc on parle du stress, qu'est-ce qui se passe, on a mal informé, etc., du Covid. On ne dit pas que les gens, en fait, ils prennent conscience de ce qu'on est en train de prendre conscience, nous, maintenant, qu'il y a un phénomène global avec la biodiversité qui est catastrophique, qui est en train de s'épanouir. Et là, il faudrait parler du concept de One Health, qui est extrêmement important. C'est-à-dire que la santé des plantes, des animaux, des forêts et humaines, c'est un ensemble qui est complètement cohérent, ça va ensemble. Et la deuxième chose que je voulais dire encore, c'est qu'on parle tous les jours de vaccins, on parle de statistiques sur les vaccinations, on parle jamais de ces causes fondamentales qui sont la destruction du monde vivant, du monde sauvage, qui entraîne les pandémies, et tous les
tous ces gens, les biologistes, les parasitologues, tous ces gens qui bossent sur le monde vivant, nous disent c'est un avertissement. La Covid, c'est juste un avertissement sur quelque chose de bien plus grave qui va survenir. Destruction des forêts, l'agriculture industrielle, l'élevage industriel, personne n'en parle. Bien sûr. Mélenchon a parlé, j'ai écouté un interview de lui, il a passé bien 20 minutes à parler de ça. Je ne suis pas absolument pour Mélenchon, pour tout, mais de ce côté-là, il était très bon. Il a parlé de ce problème fondamental pour l'origine du Covid, ce que ne font jamais personne, aucun, dans les journaux. Il n'y a jamais, on ne parle jamais de ça, alors que c'est exactement le problème fondamental. Bien sûr, c'est au cœur de mon dernier livre, et effectivement, One Health, alors, une seule santé, c'est se dire qu'il faut arrêter de séparer la santé des écosystèmes, des animaux sauvages et domestiques et des humains, et sortir de la logique des silos, et le PIB, ça rentre là-dedans, parce que, une fois, j'ai participé à un colloque au Sénat qu'on m'avait demandé, un sénateur, Joël Labbé, m'avait demandé d'organiser sur l'agroécologie, et il y avait le ministre de l'Agriculture de l'époque, le ministre de M. Hollande, enfin bref, qui fait un discours extraordinaire, évidemment, et puis après, je lui dis, mais j'aurais quand même qu'on m'expliquait un truc, alors je ne sais plus les chiffres exacts, mais en gros, c'est les bonnes masses. La France exporte 1 milliard, ou je ne sais plus combien c'est, de tonnes, 1 million de tonnes de poulet bas de gamme, ça lui rapporte 1,3 milliard d'euros, par exemple. Bas de gamme, donc envoyé vers le Sénégal, et tous ces poulets de merde, des pauvres, enfin bref. Et en revanche, elle importe 700 000 tonnes de poulets haut de gamme, qui lui coûte 3 milliards et quelques. Donc je lui avais dit, mais je ne comprends pas là, vous ne pourrez pas arrêter de faire des poulets de bas de gamme et puis faire que des poulets bas de gamme. Enfin, mais en fait, c'est à chaque fois, c'est une ligne du PIB. Enfin, et vous voyez, quand je parle de silos, c'est dans tous les domaines. C'est aussi la santé. Vos confrères médecins qui ne veulent rien savoir des facteurs environnementaux, tout simplement parce que de toutes les maladies qui déboulent dans leur cabinet en ce moment, parce qu'ils n'ont pas eu de formation non plus. Hein. Je trouve incroyable qu'on n'ait toujours pas de chaire de santé environnementale dans les universités de médecine. Enfin bref. Et donc, c'est cette logique de silo qui nous mène dans le mur, parce qu'on n'a jamais cette vision globale. Donc, il nous faut une vision holistique qui permette de nous remettre, nous, les humains, à notre juste place dans cette grande chaîne du vivant. Donc, c'est sortir de cette, cette arrogance qui fait que nous sommes au-dessus de la pyramide, là, et après, tout. Enfin, on peut faire ce qu'on veut et puis même détruire le vivant, il ne passera pas. Enfin, donc c'est vraiment un changement de cap énorme qui englobe tout, et c'est ça qui fait qu'il y a autant de résistance, évidemment, parce qu'il faut tout revoir. Et c'est plus facile de dire on va nous vendre des petits réacteurs nucléaires, parce que comme ça va être bon pour le climat, vous voyez, c'est bon pour l'industrie, et on sait ce que ça veut dire, on va vendre partout maintenant, Et moi, je trouve ça scandaleux. Enfin, moi, je suis allé filmer à Fukushima, je suis allé filmer à Tchernobyl. Alors, je suis vraiment une anti-nucléaire viscérale, parce qu'on ne peut pas jouer comme ça au Frankenstein. Et en plus, on va discipliner ça partout. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas remettre en cause tout notre mode de vie fondé sur la croissance. Et c'est ça qui va... Enfin, et pourtant, c'est la seule solution. Et pour finir, si on veut gagner aussi, c'est qu'il faut rendre désirable cette société qu'on voudrait voir émerger. Et c'est pour ça que j'ai dit, la transformation individuelle, changer de cap, c'est déjà bien, parce que c'est bon pour le moral, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais il faut la rendre désirable, c'est-à-dire que ce qu'on ne veut plus, c'est ce monde qui est terrible pour plein de gens, terrible absolument. Et puis les perspectives sont terribles. Alors moi, je pense à ta génération, franchement, c'est absolument terrible, quoi. Mais se dire aussi que le monde qu'on veut construire, eh bien, il peut déjà être là, plein de petits endroits, mais c'est important parce que ça permet de rester debout et d'avancer, n'est-ce pas? Et le monde qu'on veut construire, il est totalement bien meilleur que celui dans lequel nous sommes. Et ça, c'est ça qui fait que... Voilà, c'est cette lumière qu'on doit avoir en présent, en se disant, c'est ça qu'on veut. Il faut pas lâcher, quoi. Moi, j'ai tout le temps, on ne lâche pas. Mais on ne lâche pas, ça veut dire, moi, je suis déçu de voir quand on rase les jardins ouvriers de Porte-Aubervilliers, excusez-moi, personne, hein. On est 10 ou 20. Hein. Et je dis, mais ils sont où, tous ceux qui se plaignent, là, hein. Parce que c'est là qu'on voit aussi, c'est ces batailles-là. On a besoin de gagner des batailles, quoi. Hein. Il y avait la convergence des marches, tous pour la région parisienne, il n'y avait personne. On était à l'hôtel de ville, on était 200, quoi. Ils étaient où, tous, là?
Vous étiez où tous les citoyens, là, n'est-ce pas ? Parce qu'il faut balayer devant sa porte, hein. C'est un peu trop facile aussi de dire « Ah ouais, là-bas... » Non, non, balayons ici, quoi. C'est scandaleux qu'on détruise les jardins ouvriers de la porte d'Aubervilliers quand on nous parle de climat et de biodiversité. Allez voir ces jardins qui ont plus de 100 ans. Enfin, c'est scandaleux pour faire un solarium pour la piscine olympique. Et on devrait être des milliers là-bas, ouais, en disant « Stop !» Ben non. Donc il va falloir qu'on se bouge, parce que je vous l'ai dit, on ne peut gagner que si on se bouge. Si on ne se bouge pas, alors là, ça, c'est sûr qu'on est foutu. Voilà. Lyon-Turin, je ne sais pas si Camille le connaît, mais moi, on se bat vraiment depuis déjà des années et des années, et on n'arrive pas à faire comprendre aux gens qui habitent sur place que ce projet-là est destructeur. Mais en face, le promoteur, TELT, Tunnel Euralpin Lyon-Turin, promet des emplois, donne de l'argent aux mairies, etc. Et c'est très compliqué de se battre contre ce genre de géants. Et même si nous, on est des Lilliputiens, mais on a aussi besoin d'autres Lilliputiens ailleurs pour transmettre notre message. Et moi, j'ai envie de dire à Camille, viens, excuse-moi de te tutoyer, mais voilà, viens en Maurienne, viens constater ce qui se passe, parce que ce qui se passe là, c'est à la fois d'un point de vue démocratique, d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, c'est un désastre. Voilà, c'est incroyable et personne n'en parle. Et le bravo déjà, c'est vrai qu'on peut applaudir, merci de faire ça, c'est plus que fondamental, ces luttes locales. Et en même temps, moi, ce qui est très triste, c'est que du coup, j'ai... Vraiment sans rien, je pense que d'en avoir une fois par semaine, en moyenne, sincèrement, de projets comme ça, qui sont tous autant révoltants, mais vraiment, qui sont là, rien pour savoir. Donc cet apiculteur qui m'appelle sur ces 35 hectares hein, de terre arable quand même, qui sont en train de défoncer. Ensuite, on a juste à côté la Clusaz, une retenue d'eau, enfin, rien que pour parler de là où j'habite, qui sont en train de défoncer aussi pour faire du canon à neige et continuer à pouvoir skier, ouvrir hein, vraiment les pistes la même tête pour qu'on puisse continuer à skier. Lyon-Turin. Donc en fait, rien qu'aujourd'hui, maintenant, là je vous parle de ce qui s'est passé ces deux dernières semaines en Savoie, c'est ça. Donc des projets destructeurs qui artificialisent les sols sont constants en fait. Et c'est à la fois très révoltant et heureusement, il y a plein de gens qui, localement, se battent. Et là-dessus, je vous recommanderais peut-être un livre qui serait très utile pour vous, qui vient de sortir sur la relève et la peste. C'est une maison d'édition assez géniale qui sont concentrés sur les projets locaux et ils ont leur dernier livre, c'est sur un surf, un parc aquatique d'une vague artificielle, je ne sais plus comment ils appellent ça, un surf park, aussi simple que ça, surf park, à côté, dans les Landes. Et en fait, c'est en 4 ans, un groupe exactement comme le vôtre qui s'est mobilisé sur cette question-là et qui ont réussi à obtenir une victoire. Et donc, la personne qui avait un peu lancé ça, elle s'est vraiment documentée sur, en regardant un peu dans l'histoire et puis ailleurs, où est-ce que les luttes locales avaient pu aboutir et quelle stratégie avait fonctionné. Et donc, c'est vraiment un petit manuel qui se lit assez vite, mais un manuel de, en gros, résistance locale, qui va dire des choses très concrètes comme faire la cartographie des acteurs, ceux qui sont importants et qui sont d'accord, ceux qui sont importants pas d'accord, ceux qui ont un moins fort pouvoir dans la négociation mais qui sont de l'autre côté, d'autres qui sont... Regardez déjà les forces possibles, regardez les espèces. Là par exemple, il y a un entrepôt Amazon où ils ont abandonné parce qu'ils ont découvert une espèce protégée. Là pareil, autre exemple, j'ai une jeune fille qui m'écrit qui a 15 ans sur les réseaux en disant bah, j'habite à Marseille et juste à côté de chez moi il y a un magnifique terrain et elle est passionnée d'oiseaux et elle a filmé une espèce qui est protégée et pour autant ils sont en train de détruire et de vendre ça pour faire à un promoteur, enfin c'est le terrain et donc les travaux n'ont pas encore commencé, mais elle a identifié ça et elle se dit mais qu'est-ce que je peux faire. Donc il y a aussi cette voie-là qui peut parfois réussir, la voie juridique, mettre la pression sur les élus locaux qui sont... Nous, on avait fait ça devant l'Assemblée nationale pour la loi climat, qui avait été complètement sabotée par les lobbies, notamment de la publicité et l'automobile, qui avait été très fort, parce que le texte était un peu ambitieux sur ces deux sujets. Et donc, en fait, on était allés tous les jours, pendant 3 semaines, devant l'Assemblée en disant « Bah, nous aussi, on a le droit, on est des citoyens, on veut être des lobbies citoyens, on veut que vous nous écoutiez, que vous veniez discuter avec nous. » Et donc, on a eu la chance immense de rencontrer plein de députés qui étaient venus nous parler de cette loi. Et entre autres, on leur demandait parfois qu'est-ce qui les embêtait le plus, à ceux qui étaient intéressants. Et en fait, ils nous disaient que c'était quand on allait les voir dans leur circonscription.
et que c'était ceux qui, c'était leur élu, vraiment leur base électorale qui venait les voir et qui étaient beaucoup plus enclins à le recevoir qu'à un niveau national. Donc il y a ça aussi, enfin, on pourra en parler à la sortie si vous voulez, je ne prétends pas du tout avoir la solution pour arrêter ce projet, mais ce que vous faites est hyper nécessaire et il faut aller chercher partout. Dans l'écosystème, la voix juridique, la voix de la pression populaire aussi. En Arctique, j'avais participé modestement depuis la France à un projet où ils voulaient faire de l'exploration pétrolière, ça s'appelait l'Arctic Refuge, et en fait, c'était l'administration Trump, donc évidemment, qui n'a absolument pas flanché par rapport à la pression populaire, mais par contre, c'était devenu tellement fort que du coup, aucun promoteur n'avait accepté ce projet, n'avait participé à la vente aux enchères, parce qu'en fait, c'était tellement devenu honteux dans l'espace public, ça leur aurait mis une tellement mauvaise image à leur entreprise qu'ils ont décidé de ne pas acheter. Donc, tout est à chaque échelle, il faut se poser la question à chaque échelle, quelles sont les forces en cours, comment est-ce qu'on peut agir dessus et le faire conjointement. Je sais que c'est immense comme travaux et que c'est dur parfois d'être tout seul, mais on pourra en parler dehors, en tout cas, bravo de continuer, c'est complètement fondamental, et quand ça marche, ça donne un espoir dingue aussi. Bien, André.